Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, 7 responsables des plus grandes compagnies commerciales pharmaceutiques ont écopé de 4 ans de prison dans le cadre du procès des faux médicaments. Nous écouterons l'avocat de la défense dans ce journal. Baisse des exportations du thé kényan vers le Pakistan, conséquence des normes sanitaires plus strictes imposées aux importations. Et puis en Éthiopie, mise en place d'une usine de transformation des déchets en énergie, une infrastructure qui devrait permettre de fournir 30% des besoins en électricité de la population. Mais tout d'abord, 4 ans d'emprisonnement, c'est ce dont ont écopé 7 responsables de compagnies commerciales pharmaceutiques dans le cadre du procès des faux médicaments au Bénin. Ces 7 grossistes répartiteurs ont en effet été condamnés pour vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente ou vente de substances médicamenteuses falsifiées. En plus de ces peines d'emprisonnement, les grossistes devront s'acquitter de 100 millions de francs CFA de dommages et intérêts. On écoute à ce sujet Maître Alao Sadikou, l'avocat de la défense. Bien, l'avocat doit prendre acte des décisions de justice. Le président du GDS Afrique que je suis constate que le droit s'éloigne de plus en plus de nos tribunaux pour faire place à l'innommable. La seule question que l'on est en droit de se poser, c'est de savoir si ceux qui ont fait le choix de fuir le pays pour ne pas être confrontés à la justice n'ont pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, c'est que dans un tel contexte, personne n'est en sécurité. Moïse Katumbi pourrait être de retour en République démocratique du Congo d'ici juin 2018. Le chef de l'opposition congolaise, en exil depuis mai 2016, a annoncé son retour au lendemain de l'officialisation de son nouveau mouvement politique « Ensemble pour le changement ». Une mouvance politique qui a pour but de soutenir sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre. Moïse Katumbi craint cependant d'être arrêté dès son arrivée en RDC suite à une condamnation à 3 ans et demi de prison pour une affaire de spoliation immobilière. Dans l'actualité également, signature d'un mémorandum entre l'Afrexigbank et la BDEAC. Cet accord a pour objectif de stimuler les transactions à travers l'identification, la préparation et le financement de projets qui permettront à l'Afrique centrale d'accroître ses exportations et développer son commerce intra-régional. Plus d'explications avec Siamlo Victoria Seji. Dans l'optique de lever les obstacles au commerce et à l'intégration sous-régionale en Afrique centrale, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a annoncé la signature mardi 6 mars d'un mémorandum d'accord avec la BDEAC, Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Selon les experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le commerce intra-régional reste en potentiel sous-exploité. Le protocole d'accord permettra donc d'identifier, de préparer et financer des projets et des transactions commerciales, car celles-ci représentent 1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. Une collaboration qui renforcera les efforts de la BDEAC dans le développement de l'agro-industrie et d'autres secteurs économiques clés parce que les économies dépendent encore fortement des exportations de produits de base. L'Afrique centrale, en dépit de son potentiel économique, reste sous-intégrée en termes de flux de commerce intracommunautaire. Ceci explique pourquoi ces pays réalisent les plus importantes importations, soit 25% pour des pays comme le Congo et l'Angola, selon l'institution. Avec pas moins de 160 millions d'habitants repartis sur 6,6 millions de kilomètres carrés, le marché sous-régional s'avère profitable. Le système n'est pas le même, les barrières douanières ne sont pas les mêmes chez nous que dans les autres pays. Donc il y a une difficulté, n'est-ce pas, à faire circuler les biens, les marchandises du Cameroun, par exemple, vers un pays comme la Guinée équatoriale, parce que le système douanier n'est pas le même et ça pose quelques problèmes. Pour des analystes, le faible niveau des échanges commerciaux intracommunautaires se justifie par des contraintes infrastructurelles, institutionnelles et organisationnelles qu'il faudra lever. Pour cela, il faut une volonté politique ferme d'insuffler un nouvel élan de coopération pour l'ensemble des États membres.
produit au cœur des exportations du Kenya vers le Pakistan, le thé est en perte d'influence. En janvier 2018, les revenus de la vente de thé à destination du Pakistan ont en effet chuté de 50%. Principale raison de cette rétractation des recettes de ce produit, la présence des aflatoxines sur les feuilles de thé, un composant chimique responsable de cancer. Plus d'explications avec Nathalie Mo. Les exportations du thé kényan vers le Pakistan ont baissé de moitié en janvier 2018. En effet, les bénéfices liés à ces échanges sont passés de 7,4 milliards de shillings en janvier 2017 à 3,7 milliards de shillings cette année. D'après la direction du thé au Kenya, les Pakistanais manifestent quelques incertitudes vis-à-vis de la qualité du thé kényan. En mai 2017, des aflatoxines cancérigènes ont été détectées dans une cargaison. Conséquence, des tests préalables ont été exigés avant toute exportation de thé kényan vers le Pakistan. La baisse des recettes d'exportation qui crée un déficit de la balance commerciale et une réduction des réserves de change nécessaires à la régulation du taux de change. Un niveau de devise élevé détenu par une banque centrale permet de maintenir la monnaie locale à une valeur capable d'assurer la compétitivité d'une économie. La mesure de contrôle imposée par le Pakistan a été levée le 2 février, une embellie espérée par les producteurs kényans. Cependant, le Kenya doit encore améliorer les conditions de culture et de conservation de ses produits destinés à l'exportation. En assurant un meilleur suivi des marchandises, notamment le thé, le pays pourrait reconquérir son marché le plus important. Le Pakistan importe en moyenne 24 millions de tonnes de thé d'origine kényane. Comme c'est les exigences qualitatives, c'est-à-dire les normes sanitaires qui constituent la raison principale de la baisse des exportations, que ce soit un prétexte ou pas, il va falloir que les agriculteurs se conforment. Mais pour cela, ils devront faire face à des coûts de production supplémentaires. Donc je pense qu'une subvention de l'État pour la campagne de 2018 serait salutaire. Le thé kényan a perdu sa place dans les principaux marchés asiatiques, notamment en Iran et au Pakistan. Sur le continent, ses échanges avec le Soudan ont baissé de 30% en un an. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie a vu le jour. C'est la première usine de ce genre en Afrique. Elle fournira de l'énergie à partir de 1400 déchets par jour, ce qui représente environ 30% des besoins en électricité de la population. Badawé Adidjatou. En Éthiopie, une usine de transformation des déchets en énergie est en construction sur le site de la décharge de Koch à Addis Abeba. L'unique du genre en Afrique, l'usine incinérera 1400 tonnes de déchets ménagers par jour, soit 420 000 tonnes de déchets par an. Grâce à la transformation des déchets, l'usine de Koch fournira 30% d'électricité à la ville d'Addis Abeba. Nous pouvons dire que les avantages sont énormes pour l'Éthiopie de pouvoir construire cette centrale. N'oublions pas qu'elle se situe dans la rivalisation des déchets, dans les actions du gouvernement pour lutter contre les changements climatiques. Donc d'abord, il y a le respect des engagements pris par l'État éthiopien à travers les INDC, ce qu'on appelle la contribution prévue déterminée au niveau national. C'est un accord qui demande à tous les pays de pouvoir s'engager pour la lutte contre les changements climatiques. Il y a aussi la volonté politique de pouvoir développer l'industrie tout en respectant les clauses environnementales mondiales. L'usine de Koch est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement éthiopien et un consortium d'entreprises internationales. La construction de l'usine s'inscrit dans le cadre du projet REPI West to Energy, qui est une stratégie du gouvernement éthiopien pour mieux lutter contre la pollution à travers la promotion de l'énergie renouvelable dans tous les secteurs de l'économie. Dans l'économie, il y aura aussi le développement de plusieurs secteurs d'activité. Quand on sait que ce sera une chaîne au niveau de la collecte des ordures, le classement, le transport, c'est le niveau de vie des populations qui se verra, des populations qui travaillent dans le secteur qui se verra élevé. Il y aura aussi le développement d'un certain nombre de matériels qui entrent dans la construction de ces centrales. La construction de l'usine de transformation de déchets sur le site de Koch permettra à l'Éthiopie d'atteindre sa stratégie d'économie verte, une initiative inédite qui pourrait inspirer d'autres États en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.